Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus à l'arène de Sergi Pontoise. Alors on est vendredi. Qui reste sur deux très beaux matchs, l'un ici même à l'Arena Ice face au Duc d'Angers et le dernier hein, en date mardi face à Charles Sergi Pontoise et Mozart Pierrick. Allez, c'est parti pour l'instant, hein, possession du palais hein, pour. La zone et c'est Doyle qui va récupérer ce palais. Les têtes d'Ormadi, ça peut partir. Essaye de partir sur le côté gauche. Oui, Vincent Melin, attention, qui a glissé. Oui, il a réussi à quand même à récupérer le palais, Melin. Et la pression de Doyle hein, pour venir récupérer ce. Voilà, il faut. Et voilà, il est prêt pour les jeux de terre. C'est la punition hein, pour Rousseau, voilà qui. Allez, l'engagement qui va se péter dans quelques temps. Oui, aussi avec l'assistance hein, de Crozier. L'assistance hein, sur ce but de Louis Petit. Et donc, pas de Coulombe et Crozier, Tristan. Enfin, on vous le rappelle, hein, donc, pénalité pour Samuel Rousseau, pardon, 2 minutes. Avec Urif devant la carte. Il y avait un peu de la part de. Allez, ça repart avec Delaurier. Allez, ça c'est bien défendu, Nikita Chalet. Et on retrouve Phileas qui lève la tête. Il a trouvé de la vitesse avec Théo Gurif. Attention. Allez. Et ça c'est tout de suite récupéré par cette fois-ci Puffer. Ah, qui va décaler. Il peut le lancer. Oh, le but en superbe pour l'Ormadi sur cette action. Alors, je sais pas qui c'est qui a. Alors, mais il m'a réveillé lui. C'était bon ça. Ça a été bon. Le petit décalage derrière, il va cadrer, il temporise. Oh, il trouve le lancer. Et puis c'est côté opposé. Gauche pour. Qui n'a pas. Pour venir égaliser. Superbe. Quel beau but. Oh, ben, au niveau de la cage de Sébastien Lonen, il a le lancé, voilà, il a pu le prendre. Il a marqué Getson Case pour l'Ormadi, attention, parce qu'on était encore déjà devant la cage. En tout cas, on avait envie, on avait les. Puffer, on va trouver. J'ai le but! Oh, Puffer, on était bien installé, le lancer. Et tout de suite, on a bien trompé la vigilance hein, de Sébastien Ilonen. Et c'est surtout le travail devant la cage. Attendez, c'est Getson. Super travail devant la cage. Il est complètement masqué. Et la pénalité hein, a duré 6 secondes. Hein, donc ça a été très efficace. Par le palais, là le bon travail de Getson qui est mis le de palette. On va voir ça sur le retour. Non, le malheureusement, en tout cas, quel travail! Cette pénalité,
cette supériorité numérique aura duré 6 secondes. Donc, pour vous dire, une belle efficacité pour leur match. Les dogs qui décalent à sa barbe. Récupéré par Pat Coulomb qui va pouvoir lever la tête. Pat Coulomb qui continue son travail sur son côté droit. Il va pouvoir passer. Pat, c'est fait. Entre Philippe et Mancio. Il continue hein, son effort, hein, le capitaine des Jokers. Ah, Malainen là, qui s'est complètement déchiré là, sur sa position. Ah, ils ne sont pas les Jokers. On a l'impression qu'ils ont encore un peu la tête à Chamonix. Mais c'est surtout ce pressing intense hein, de la part. De l'Ormadi qui fait que. Oh voilà l'égalisation. Les Jokers. Le plus petit, hein, c'est le doublé pour lui avec l'assistance de Nikita Chalet. Ouais, ça a été cette égalisation, elle arrive à point nommé hein, parce que c'est non. Et donc c'est le play pour Louis Petit. Nikita Chalet hein, qui lui met ce putain sur le tour d'argent. Bon, on va... Attention, Reynard avec Rousseau. Mais Rousseau le lancer, l'arrêt. Oh le but pour Reynard sur cette action et ce contre. Et c'est les Anglais qui viennent inscrire ce troisième but. Oh, quelle superbe action. On va pas se mentir. Ils ont été touchés sur ce contre. Qu'est-ce qui est bien de la part de Reynard et Samuel Rousseau. Ah, ils l'ont joué jusqu'au bout. Ça, voilà la première hein, pour Ilonen. Allez, on revoit cette action ensemble. C'est récupéré. On décale. Il y a le rebond, l'arrêt d'Ilonen. Et puis, c'est Reynard qui vient trouver. qui vient trouver le. Trouver le rebond pour. Troisième but. Alors pour moi il y est, hein, je vous le dis franchement, je vois pas ce qu'il y a à chercher ou à négocier au niveau en tout cas de au niveau de la VAR. Je vois pas ce qu'il y a en tout cas à aller chercher. Pour moi le but il est complètement valable. Hein. Ah oui, Reynard avec voilà le Rousseau. Ben, c'est quand même les arbitres hein, qui demandent la VAR. Mais bon. Là ça passe, Bastien Ilonen pour mettre un joueur supplémentaire donc sur la glace. Allez avec Barber, voilà, on va trouver Getch Torel pour Gorsanov lancé. Allez Barber, une 15 encore à faire. Allez Delaurier qui temporise, on va retrouver Doyle. Doyle pour qui continue de travailler avec la petite louche, hein, la fameuse louche. Voilà pour Gorsanov, Doyle qui va récupérer ce palais. Ouais, on a à 4. Non. Pas donné grand chose au Joker. Allez, on va sortir. Stegenen qui est sorti. Amalainen qui a lancé sur Saint-Cyr. Allez, Amalainen, les Jokers avec Torel. Amalainen travailler avec Bayarjon. Ouais, on joue bien la défense. Hein, le fait de tuer le temps de jeu. Allez, 36 secondes. Encore à faire, 30 secondes à faire encore dans le temps réglementaire. Allez, attention, le palais qui est sorti. Allez, on l'a posé le jeu. Ouais, il va pousser juste ce palais au fond. Attention, ah, c'est ça, voilà, ce sera réglé. On va en rester là, en tout cas, voilà. Mais très bon et très bien fait de la part des joueurs de l'Ormadi qui vont repartir. Les valises pleines de bonheur, les valises pleines de sourires, et oui. Et c'est normal, hein. C'est les derniers du championnat qui viennent gagner.
l'équipe de l'Ormadi. Ils ont absolument rien. Voilà, ils ont un petit reproche. Elle est très très belle de la part de. Ils ont très bien joué. Le thème qui a été proposé par Pierrick Rezard et la victoire pour eux ce soir à leur souris. En tout cas, franchement, voilà, il n'y aura rien à récupérer, en tout cas du côté de leur match. Peut-être un peu plus du côté des Jokers. Voilà, ça a été un match où ils ont été mis. En tout cas, ils ont vraiment été gênés dans leur jeu. Et ça s'est vu. Et voilà, affaire à suivre en tout cas. Après deux belles prestations, et ben voilà, ils sont tombés sur un os ce soir. Ça arrive. C'est pas la fin du monde. Mais bon, voilà, il va falloir être vigilant, travailler un petit peu pour voir ce qu'on va voir. Mais après, se fouetter avec des orties, ça sert à rien du tout. Donc voilà, et puis voilà, et pour repartir sur une nouvelle lancée, il y a encore des matchs, hein, les prochaines tournois, il va y avoir du beau match, hein, à l'Arena X aussi, et puis même à l'extérieur, ils vont avoir des enjeux encore bien plus importants. Hein, donc voilà, faut pas s'alarmer. Voilà, prochaine rencontre, hein, c'est les Jokers qui vont se déplacer. Après, qu'ils vont se déplacer à Nice, hein, le 17 novembre. Voilà. Après, on va retrouver les Jokers chez eux face à Rouen le 21. Et après, on rejouera encore à la maison les Jokers le 24 novembre face aux Spartiates de Marseille. Donc, autant vous dire que là, ils vont jouer Nice, Rouen, Marseille. Ça va dépoter. Hein. Donc, voilà des belles confrontations, des beaux enjeux encore qui s'ouvrent. En tout cas au Joker, et puis bah, ça va permettre de travailler une petite trêve. Voilà, on a le temps de réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie de nous avoir écoutés. Encore un grand coucou à Pat Laroche et Guy Laroche, bien évidemment. Un grand coucou encore à la famille Bourset, Timéo, Ludmila et les frangins là. Donc voilà. Et puis encore un grand merci à Océane, Anaïs et Céline pour le petit cadeau, la venue de Mulhouse, et surtout pour passer un grand bonjour à tous les anciens des Scorpions, voilà, qui sont venus au sein de notre équipe renforcer l'effectif. Voilà, et puis bah, j'espère que vous allez passer un bon week-end, parce que bah, le week-end ne fait que commencer, c'est la fin des vacances, profitez-en, parce qu'après ça va être retour à la vie sauvage que l'on connaît. Il va falloir faire attention. Allez, il reste 16 minutes, encore 5 à faire dans ce troisième et dernier tiers-temps. 4-2, hein, 4-2 pour l'Ormadi. Voilà. Et les Angloy, hein, qui vraiment sont venus avec vraiment un objectif. Et la mission, l'objectif est rempli. En tout cas, ils l'ont très bien fait, hein, ce match. Ils l'ont très bien joué. Et je pense que voilà, il y aura beaucoup de satisfaction en tout cas de leur côté ce soir. Et le retour en quart sera des plus sympas. Voilà, le but est validé. Hein. Donc le but est validé. Donc voilà, donc c'est ce qu'on attendait. Hein, là, une revalidation de but. Après, je vois pas pourquoi ça aurait été refusé. Enfin, c'était très bien fait, c'était très bien amené. Donc il n'y avait aucune raison que le but ne soit pas validé. Voilà, bon bah écoutez. Hein. Allez. Tac. Allez, on va repartir pour les. 16 dernières secondes et demie, hein, de ce match-là. Allez, Raphaël Faure pour les Jokers, Bayarjon. Allez, on en appelle effectivement au compteur. Hein. On a indiqué que apparemment il y a eu un problème de chrono, donc le chrono n'a pas tout de suite à deux points d'avance, je pense que voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein, je vois pas comment les
les jokers de Sergi pourraient marquer 2 buts en 16 secondes. Bon voilà, bon, on va pas se... Voilà, c'est juste des petits réglages. On va pas se chamailler pour si peu. Allez, 5 secondes, voilà, on a enlevé quelques secondes hein, au chrono pour les joueurs. Allez, 5 dernières secondes, 2-1, c'est... Et bah écoutez, félicitations, voilà, félicitations, franchement, à l'Ormadi hein, pour cette victoire. Ils ont vraiment été cherchés du début jusqu'à la fin. Le plan de match, il a été mais complètement réalisé et bien réalisé par cette équipe. Un super gardien, des super buts. Voilà, ça finit à 4-2. Félicitations à cette équipe de l'Ormadi. Voilà, à qui ça va faire vraiment beaucoup de bien. Et ils l'ont mérité, hein, cette victoire, mais complètement. Et puis, bah, écoutez, bah, les Jokers, et ben voilà, c'est une défaite avant la trêve. C'était aussi un match qui aurait pu être à leur portée. En tout cas, il y a eu un très très beau jeu de la part de l'Ormadi. Moi, je verrais bien bah, Saint-Cyr ou Getson hein, en MVP. Et puis, bah, du côté de toute façon des Jokers, bah, je pense que ce sera bah, Louis Petit avec son doublé. Voilà. Get, hein, qui va y aller. Hein. Getz, hein, Getson, le premier buteur hein, pour cette équipe de l'Ormadi. Ouais, que comment... Oui, c'est Louis Petit, c'est normal. Hein, Louis qui a marqué 2 buts. Allez, nous, on se retrouve, je vous ai dit, le 17. Ouais, le 27, je sais plus, enfin bon bref, on se retrouve bientôt, voilà tout simplement. J'espère que vous allez passer de bonnes fins de vacances, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, la vie est belle, ne l'oubliez pas. A très bientôt sur FunSite pour encore de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao.